Et salut à toutes, salut à tous, les amis, c'est Roro945 et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 53 sur Death Stranding. Alors, dans la dernière vidéo, comme vous avez pu le voir, eh bien, on est reparti là où il y avait la ceinture de poids, hein, avant qu'on traverse l'océan, parce que pour moi, c'est pas une ceinture de poids, c'était un immense océan, mais voilà. Et on devait donc rejoindre la ville relais du lac. Donc il fallait se retaper toute la map jusqu'au premier relais où on était arrivé dans cette région. Et en fait, à chaque fois sur la route, eh bien, on avait par hasard des événements d'échoués qui popaient. Et là, c'est pas juste on traverse une zone d'échoués. C'est des échoués géants carrément qui se pointent, voilà, et qui essaient de nous faire la peau. Et vu qu'on était vraiment à poil, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de squelettes renforcés, on n'avait plus d'armes ni rien pour se défendre ou pour affronter éventuellement les échoués, eh ben, il avait fallu fuir les échoués. Et je pense que c'était la meilleure solution à prendre, puisque finalement, c'était pas si compliqué que ça de les fuir. Et donc du coup, on est du coup devant la ville relais du lac. Alors j'ai eu deux petites, comment dirais-je, deux petits appels de d'Airdman et de Hartman qui nous expliquaient un petit peu la relation entre Clifford Unger et Amélie, avec la présidente, avec Dayadmarn, etc. Et donc nous voici arrivés. Là on voit que il y a des choses pas très réjouissantes qui ont l'air de se passer là-bas. Donc on va y aller les amis, mais avant de nous lancer à corps perdu là-dedans. Et d'ailleurs je vais faire gaffe quand même que personne ne nous suive derrière. Normalement ça devrait être bon. Eh bien, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez bien les notifications si vous ne voulez pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc. Et nous, c'est parti, on va rentrer dans les problèmes. Voyons ce qui se passe. Sois toi-même.
Vous devez me le remettre. Abattez-le, John. Abattez-le. Je vous ai donné un ordre. Abattez-le. Je suis votre Die-Hard Man. Épisode 10, terminé. Ok, bon, l'épisode 10 était vraiment très très rapide. Attaquons l'épisode 11. Il nous reste 3 chapitres avant la fin, les amis. J'espère que les chapitres ne seront pas plus longs. Parce que j'aimerais bien quand même en finir avec ce let's play. Épisode 11, Clifford Unger. Ok. Putain, mais on est quoi là? C'est le Vietnam ou quoi là? alors, fuir le champ de bataille. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... Ok. D'accord. Bah, la première chose qu'on va faire, bah, c'est avancer, en fait. C'est pas volatilisé, quand même. Est-ce qu'il cherche l'eau? Alors je me fais toucher, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avance trop vite ou... Alors attends. Hop, on se réorganise ça bien. J'ai 2 poches de sang là. J'ai mes 4 poches de sang là. Ok. Arme de poing anti-échoué. Ah. Alors, est-ce que... Ouais, mais apparemment, c'est pas un échoué, donc... Est-ce que ça sert à quelque chose que je prenne ça? Parce que d'un côté, ça le propose, donc je suppose que...
Il me semble qu'il va bien falloir que je récupère tout ça, mais... Bon là, jusqu'à maintenant, c'est la préparation des problèmes. Mais donc, on ne peut toujours pas sauvegarder. Hein. Ouais. C'est ça qui me dérange un petit peu quand même. Sérieusement ? Ah mais le bébé là tu saoules ? Alors, on va réessayer. Ah, une menace a été détectée, mais il n'y a pas de menace en fait, là, je suis tranquille là. Ah, il s'est encore fait sa toile. C'est pas ma guerre. Ok. Bon, ça y est, là, ils en ont après mon cul. Mon bébé. Alors, du coup, est-ce qu'il y a moyen ? Non, toujours pas. Ah, mais c'est pas ça, en fait, qu'il me faut. Tout est ma faute. Attends, je vais essayer avec...
Die Hard. Hein? Je ne veux que... ton bonheur. Putain. Non. Mais non, c'est pas ça, c'est pas la gourde. Mais je vois pas aussi là. Il y a des trucs qu'on va laisser. Moindre renfort. Droit dedans.
Je suis né pour me battre. Récupérez mon bébé. J'ai besoin de toi. Mon bébé. Bon, d'un côté, il s'agit aussi de pas trop se... Pas trop se charger inutilement non plus. La caméra là. Où es-tu, bébé? Rendez-moi mon bébé. Ah, il y en a un au fond. Dayarman. Est-ce que je peux les prendre par surprise et les avoir comme ça? Je suis pas sûr, hein. Rendez-moi mon bébé. Ah, il est là. Quartier. J'ai besoin de renfort. Ah oui, d'accord. Alors j'ai une poche de sang vide, j'en ai même deux.
faute, bébé. Alors effectivement, il y a des blindages et tout ça, mais... On va pas s'encombrer, hein. Donc il est reparti là-bas. Je vais tout arranger. Tout est ma faute, bébé. Ma faute. Ah putain, ils viennent tous là. Récupérez mon bébé. Ah genre, t'es obligé d'aller en haut ? Ah, t'as pas dit s'il te plaît. Merde. Ah, mais genre si je lance une grenade pneumatique sur eux... C'est ma faute, bébé. Bon, j'ai eu par là, il me semble. Clifford.
mon bébé. Non, on est bon. Ah si, on peut faire comme ça. J'ai besoin de toi, bébé. Ah, je te vois. Mon bébé. Ah non, ça c'est pas lui. Mon cher. Ah bah il est là. Ah, peut-être que... Die Hard Man. Rendez-moi mon... Allez, c'est bon. Ok. Ça passe. Bébé, je vais te sortir de là. C'est promis. Rendez-moi mon bébé. Vous êtes Clifford Unger ? Sam Porter. Mais tu es Sam Bridges. Mon pont vers l'avenir. Celui qui rapproche les gens. Tu es leur pont vers l'avenir.
Allez, Sam. Debout. Et sortez d'ici au plus vite. Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. S'il me donne un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez? Vous risquez votre vie. Parce que vous m'avez sauvé la vie, chef. Et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on venait vivant. Alors. Rang B. Qu'on me rende mon bébé. Terminer l'épisode 11, Clifford Unger. Bah ouais, bah ça c'est cool, parce que là, les derniers chapitres, ils ont pas l'air très très longs. Donc en soi, ça m'arrange bien. Bon, je pense que vous avez compris que j'ai hâte de finir ce let's play. Mais c'est pas plus mal, parce que je crois qu'il y avait des chapitres qui étaient quand même pas mal longs. Sam, vous vous sentez bien? J'ai consulté vos infos. Apparemment, vous avez été pris dans une super cellule. Et en une fraction de seconde, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté du point zéro. À deux pas de la ville relais portuaire. Alors comment j'ai atterri là? Vous vous rappelez, Victor? Il vous a trouvé près du port, vous étiez inconscient. C'est lui qui vous a ramené là. Il se pourrait bien que Cliff soit le père de Lou. Il a dit, vous allez me rendre mon bébé. Non, c'est impossible. Cliff est né, il... Et il m'a donné ça. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on ignore sur les bébés, sur leur conception. J'ai pas eu l'impression qu'il nous voulait du mal, en tout cas. Je crois qu'il voulait seulement discuter, je dirais. Mais vous avez dit que vous l'aviez vu pointer son arme sur le directeur sur la grève. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un passé commun qu'on connaît pas. Eux deux et Bridget. C'est drôle parce que justement, j'ai quelque chose à vous montrer. Je suis tombé dessus en faisant des recherches dans les archives. Il s'agit d'un message préenregistré du directeur intitulé « Si jamais je ne reviens pas ». Ce message me servira de filet de sécurité, au cas où il m'arriverait quelque chose. Accès réservé à Bridges.
Et j'espère vraiment que c'est Bridges qui le regarde. J'ai eu droit à un cadeau de la part d'Amélie. Elle a dit qu'elle voulait bien me conduire sur la grève. Mais que j'aurais besoin de ce poupon pour me guider à elle. C'est un piège. C'est évident. Pourtant, je vais jouer le jeu pour cette fois. Après tout, vous jouez tous le jeu, vous aussi. Vous savez bien que ce masque ne cache pas uniquement mon visage. Le fait est qu'Amélie aussi est une page vierge. Aucun historique, aucun document attestant de son existence. C'est un fantôme. Et le truc avec les fantômes... Je n'ai jamais vu Amélie en personne. Et vous ? Vous l'avez déjà rencontrée, lui avez serré la main, l'avez touchée. L'équipe d'origine qui a été envoyée dans l'Ouest était divisée en deux groupes. Amélie est partie avec le premier. Quant à Mama et Hartman, avec le deuxième. Ils n'ont eu aucun contact direct. En effet, le groupe d'Amélie a été décimé au relais frontière. Tous morts sauf elle. Et tout ce qui pouvait dire si elle était physiquement là ou pas. N'importe quoi. Elle est réelle. J'ai déjà touché, moi. Tiens, on se connaît, puis... Pour ma part, je n'ai eu d'interaction qu'avec son hologramme. C'est ce que je vous dis. Je l'ai vu, moi. Et en personne. Et puis, on se voyait tout le temps avant. Je sais, oui. Mais seulement sur la grève. Voici ce que la présidente avait à dire au sujet de sa fille. Amélie est née sur la grève. Son K, lui, est resté là-bas. Tandis que son A est venu dans notre monde. Cette séparation entre son corps et son âme l'a obligé à passer la majeure partie de son enfance à l'hôpital. Mais malgré une santé fragile, son Dooms lui était vraiment hors norme. Au fil du temps, elle a su développer ses dons surnaturels et dépasser ses propres limites. Et quand elle a atteint l'âge de 20 ans, elle était capable de faire des allers-retours sur la grève. Et c'est là qu'elle a commencé à y passer tout son temps. Dès lors, si on voulait entrer en contact avec Amélie, c'était uniquement par hologramme. La présidente insistait sur ce point. J'avais prêté serment à la présidente, ainsi qu'à l'Amérique. Donc pour moi, tout ce qu'elle disait faisait loi. Alors quand elle a dit qu'Amélie était sa fille et qu'elle serait la mieux placée pour lui succéder, moi je l'ai cru. Mais quand on a enfin restauré les archives, je n'ai pas pu m'empêcher de tester les limites de mes droits d'accès. C'est comme ça que j'ai découvert que Bridget avait développé un cancer de l'utérus avant la trentaine et ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous voyez, tout ça n'est pas logique. Il est impossible qu'Amélie soit la fille biologique de Bridget. Alors d'où est-ce qu'elle vient ? Qui est-elle ? Je crois avoir une idée. Au moins réelle. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'Amélie est bien un agent d'extinction si on n'a même pas la certitude qu'Amélie est bien Amélie ? La théorie des AE pourrait aussi bien être du flan que je sache. Mais si c'est vrai, et si elle est bien la cause de ce Death Stranding ? Alors il faut que j'accepte son invitation. J'ai prévu tout ce qu'il fallait. J'ai pris des balles hématiques. Avec le sang de Sam. Ce qui fait que mon arme est reliée à elle. À moi, à lui. À nous tous. Par conséquent, je devrais pouvoir l'emporter sur la grève. Je vais mettre un terme à ce qu'elle a commencé. En l'arrêtant, elle. J'ai encore une chose à dire. Je ne suis qu'un homme. Aucun pouvoir, rien d'exceptionnel. Je n'ai pas le Dooms, donc je ne peux pas me rapatrier comme Sam. Je ne connais rien à la mort, je ne m'en suis jamais approché assez près. En revanche, je connais bien l'enfer. Chacun des champs de bataille, c'était l'enfer. Mais aussi dur que ça ait pu être, j'y ai survécu. Parce que ce que je sais faire de mieux,
c'est fuir devant la mort. Voilà. Je dois y aller. Elle est en train de m'appeler. Bridges, ne me laissez pas tomber. Épisode 12, Bridges. Plus que deux chapitres avant la fin. Ça, le directeur est passé sur la grève. Ou plutôt, Amélie l'a invoqué là-bas. Il tenait Bridget en joue quand je l'ai vu. Puis Cliff est apparu, il l'a emmené. J'avais cru comprendre qu'il partait pour la grève pour affronter Amélie. Oui, elle était là, elle aussi. C'est elle qui m'a fait sortir. Oh, bon sang, c'est tellement évident. J'en reviens pas de ne pas l'avoir compris plus tôt. En fait, c'est Amélie qui... Qu'est-ce qui se passe? C'est le réseau chiral qui nous a lâchés. Et si on en croit le pneu, d'ici peu de temps, il sera complètement inutilisable. Mais alors, on s'est donné tout ce mal pour rien? Laissez-moi donc aller au bout de mon idée. Je vais le lui dire. Fragile. Vous avez pas l'air bien, vous devriez vous reposer. Je sais. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu une petite discussion avec Higgs sur la grève. Il a pas mis très longtemps à cracher le morceau. Il a dit pourquoi il vous avait trahi? Il a dit que c'était son plan à elle. Quoi? Que c'était elle, la chef. Toutes ces néantisations, ces étapes menant à l'extinction. Amélie était derrière tout ça. Évidemment, ça l'arrange. Je sais combien c'est difficile à croire. Mais ça coïncide avec ce que Die Hard Man a dit. Higgs m'a trahi après avoir rencontré Amélie. Au départ, tout ce qu'il voulait, c'était étendre son territoire en se servant de mon pouvoir. En tout cas, c'est pour cette raison qu'on s'est associés. C'est pas un terroriste. Il voulait juste atteindre plus de monde. Et puis, elle a débarqué avec ses capacités bien supérieures aux miennes. Merde, elle arrivait même à contrôler les échoués. Alors Higgs a décidé de la suivre. C'est à ce moment-là qu'elle a fait de lui son agent d'extinction. C'est Amélie qui lui a donné ce pouvoir? Ouais. Elle a fait de lui son homo demens. Et Bridget, alors? Vous pouvez me dire ce qu'elle faisait sur la grève? Vous avez la réponse à ça? Je sais que c'est dur à avaler. Mais Higgs a lui-même avoué qu'Amélie était un agent d'extinction. J'ai bien regardé sa capsule. Il n'y avait aucune trace de bébé. Regardez ce que j'ai trouvé à la place. C'est le même poupon que celui de Die Hard Man. Ça leur sert de brise-brouillard. On pensait que c'était les terroristes qui avaient ressorti les bébés et que Bridges avait seulement suivi le mouvement. On se trompait. Ils ont une façon de faire qui n'a vraiment rien à voir avec la vôtre. Vous, votre bébé, vous relie au monde des morts. Leur poupon les relie à Amélie et à sa grève. Je vais vous dire qui d'autre en a des poupons de ce genre. Cliff. Je me souviens que j'en ai vu sur les champs de bataille. Cliff, Higgs et le directeur ont tous les trois été attirés et totalement vampirisés par cet agent d'extinction. Mais qui peut bien être cet AE, au juste? Laquelle des deux? Bridget ou Amélie? Tout ce que je peux dire, c'est que les réponses se trouvent sur la grève. Ce qu'elle veut et pourquoi. Si on découvre le fin mot de l'histoire, on a peut-être encore une chance d'empêcher l'ultime Death Stranding. Il faut vraiment que vous la trouviez, Sam. Et peu importe qui elle est vraiment. Elle attend que vous veniez la rejoindre. Revenez vite à l'est. Instable, alors je ne vais pas m'étendre. On a une mission pour vous. L'état de Fragile se dégrade à vue d'œil. Si elle tombe dans le coma, il y a un risque que son âme reste piégée dans la grève. Elle a besoin de cryptobiote le plus rapidement possible. Heureusement pour elle, Fragile Express en a une réserve dans la ville relais portuaire. Il faudrait que vous puissiez en récupérer quand vous serez sur place. Vous trouverez tous les détails sur le terminal à l'étage.
S'il vous plaît, Sam. C'est vraiment important. Une partie de la marchandise que vous transportiez avant d'être transportée sur le champ de bataille était passée dans un casier privé dans la ville relais du lac. Vous pouvez accéder depuis le terminal de livraison. Mais est-ce qu'on est à la ville relais du lac, nous ? Revenir à la capitale relais. Donc ça, on s'en fiche, les emails, les données. Ok. Bon. Du coup, Amélie ne serait pas ce qu'elle semble être. Bon. Ok. Mais à mon avis, parce que j'avais quand même déjà remarqué une similitude, une ressemblance physique entre Bridget et Amélie. Alors, on pourrait croire que, bah oui, c'est normal, puisque Amélie était censée être la fille de Bridget. Sauf que, à mon avis, bon, vu qu'apparemment là, on vient d'apprendre que Bridget, enfin que Amélie n'est pas réellement la fille de Bridget, j'ai une théorie où, à un moment donné, on va nous dire que finalement, Amélie, c'est un clone de Bridget ou je sais pas quoi. Moi, ça sera un petit peu ma théorie. Bon, histoire de clone, etc. Bon, je vois pas pourquoi, mais bon, c'est une théorie comme une autre. Je sais pas si c'est la bonne. On verra bien, les amis. Potentiellement, on aura la réponse dans la prochaine vidéo, puisque du coup, il va falloir donc ramener des cryptobiotes à la ville relais. Enfin, la ville relais de base, pour les donner à Fragile. Et c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. En tout cas, Clifford, il n'a pas été si compliqué que ça à battre. Donc, c'est toujours le même pattern, donc pas de problème. Et puis, voilà. Bon. Allez. On va lancer des petites douches, histoire de... Voilà, comme ça, notre Sam, il est tout propre. Et bon, on va s'arrêter là, on va aller faire la petite sauvegarde avant d'oublier. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de Sam. Les amis, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez bien les notifications pour ne pas louper, tout simplement la suite des vidéos. Je vous dis à très très bientôt les amis. Salut !